Et on continue. Surge 2. C'est parti. Nouveau jouet. On a 5 barres de batterie. On a 5 batteries. On a fait quoi d'autre? On a mis notre... On peut faire plein de trucs fun dans le jeu. Oh putain, c'est trop cool. On a mis un nouvel implant qui va nous rendre immortels. Car on était déjà pas assez avant. Donc on s'est dit pourquoi pas être encore un peu plus immortel. Mais ouais, let's go. Let's go par... je sais plus, c'est de ce côté pour descendre. C'est de ce côté. Il faut toujours qu'on sauve l'autre. Il faut trouver la clé en fait. Bon, je sais pas, on se casse, allez, on avance. On va peut-être la trouver à l'extérieur. Ferraille. C'est les drapeaux qui font ce bruit là. Putain. C'est sympa le visuel, j'aime bien. Pourquoi il y a un passage là? Ok. Visitons. Parce que dans The Surge 2, c'était trop demandé de faire une ligne droite. Donc ils se sont dit, il y a un boss devant, mais on va faire quand même un petit labyrinthe sur les côtés, vite fait. Pour que les gens se sentent pas, genre, en confiance. Moi, c'est ça que je... C'est comme ça que je le prends, moi. Alors, augmente la quantité de pièces gagnées en éliminant des ennemis. Ok. Ok. Mais où est-ce qu'on est? Pour monter, ça marche. Pour... Oh, putain. Non mais sans déconner quoi. C'est encore un labyrinthe. Ouh, t'es stylé toi, t'es qui? The chamber of worship is hollow ground. Did Matriarch Celeste not teach you to respect the will of the Almighty Spark? C'est quoi ce bruit? Et qui es-tu au juste? You can call me April, but my name bears no meaning. Ah, mais c'est elle. I am but a loyal soldier of the Spark, committed to guarding ourselves. C'est toi après, j'ai quelque chose à se souvenir. Pourquoi est-ce que tu continues à faire ça? Après, non, c'est joué comme non. Ça te dit quelque chose de se souvenir? Rex kept this? I always thought... Ah oui, la fleur. I always hoped he'd moved on. Oh, I should have known better. He's more clingy than a swarm of nanites. Always has been. I always knew I'd be the death of him. Here. Take this key and free him. I'll be a pariah forevermore, but... I can't have his death on my conscience. Oh, il est mignon. Ok, on peut libérer Rex. Ouais, mais t'inquiète pas, on va lui couper la tête. Nous allons lui couper la tête. Tu fais quoi, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, tu te calmes, on vient de se rencontrer, merde. Voilà. Garde la tête froide. Ou alors garde la tête sur les épaules. Ou alors... J'ai pas d'autres blagues. Je suis en train de me dire que j'ai loupé complètement le truc. Ma pote. J'ai loupé complètement le moyen d'activer le... Alors attends, on va faire un truc tout con. Ouais, voilà, ok, c'est bien, bien joué.
Il a pas voulu faire un saut. Enfin, elle. Elle a pas voulu sprinter vers l'avant, faire un saut comme. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de mur invisible en fait qui m'avait stoppé. De toute façon, on a que 640, on s'en fout. Mais du coup, vu que j'ai fait de la merde. Hop. Là, on remonte en fait parce qu'on va activer le raccourci parce que je suis sûr qu'on le on l'utilisera jamais mais on est tombé et on a trouvé un objet. Oh la vache. Salut, c'est encore moi. Ah, très bien. Et maintenant, on va jouer au jeu. Te rappelles-tu où est la prison de Rex? Lol. Parce que moi, non. je crois que c'était dans la dernière partie... de notre aventure, c'est juste là, ok, ça va. Rad, you did it. Where'd you find the key? C'est April qui m'a donné cette clé. Wait, how do you know April? You got some splaining to do after we like make it out of here. Hey, thanks for getting me out of this jam. You're like a real gal pal. Yeah, ouais. I thought I was gonna die in here. Thanks. You like. Got me out of a real tight squeeze there. Yeah, sure thing. Il va me vendre des trucs maintenant. Infliger un coup de grâce augmentera les dégâts de votre prochaine attaque de drone. Ah, ça c'est pas mal ça. 200% de dégâts, ça c'est pas mal. Parce que genre le tir de sniper, ça peut être intéressant. Alors, augmente les dégâts du drone lorsque celui se trouve près de sa cible. Ça aussi c'est cool. Consomme un cocktail, attire une cible. Ah oui, c'est ça que je voulais. Attire une cible vers le drone de combat. Pièce détachée insuffisante. 10 000. 30 000. Missile SSM Vanguard. Ah, mais d'accord, c'est des versions améliorées. Cocktail Molotov. Une bouteille enflammée remplie. Mais on l'a celle-là? Oui, non, c'est pour acheter. Lance un missile à tête chercheuse qui explose dans une large zone. D'accord. Ouais, non, mais attends, on a des trucs à vendre. Pièces détachées, là. Gros tas de ferraille recyclable. Putain, il nous faudrait 30 000. Merde. Je l'ai déjà le lance-missile Vanguard. Ça va? Ça par contre il me faut. Là du coup on pourrait acheter... pour acheter les grenades. Merci. Stylé. Vas-y, je veux tester. Il y avait le même dans le premier jeu. Bon, c'était pas la même animation par contre. Ouais, ça les fait tituber quoi. Honnêtement, c'est pas vraiment un truc que je vais utiliser. Fais gaffe Rex, il y a des mecs. À
J'avais dit hein, qu'il fallait arrêter d'utiliser des pièces détachées qu'on en aurait besoin. Mais bon, ben c'était pour le niveau 80, donc c'est pas grave. Mais ouais. Maintenant, là, on en a un peu besoin. Ça va, on a tout acheté. Ah oui, je voudrais que... Qu'est-ce qui t'arrive ? Je voudrais que regarder notre défense avec 5 batteries. Genre là, on est à 411. Là, on est à 511. Merde, je vais crever. Enfin non, je vais pas avoir assez de batterie. Ça va, c'est bon? J'arrive pas à le bloquer, lui, ses amis m'en fout. On gagne presque une batterie entière hein, quand on bloque. Hein. C'est presque une batterie entière. Putain, mais va te faire mettre quoi. Quoi? Elle était pas à fond la batterie? On est d'accord que... Augmente davantage la résistance lorsqu'un minimum 5 batteries sont remplies. 661. Ah, peut-être qu'on est arrivé à un palier en fait. Parce que là, on a le bonus là, du contre. J'attends qu'ils s'en aillent. Voilà, les buffs sont partis. On est à 526. Là, on est à 511. D'accord, je pense qu'il y a quand même un palier. Je suis quasiment sûr qu'il y a une sorte de palier. Ah putain, je vais où ? Là, on est à 411. Je pense que avoir le buff de défense quand on part en fait est suffisant, est plus ou moins suffisant en fait, je pense. En tout cas, c'est parti, on est reparti. Alors attends, il y a tout droit ou alors il y avait encore un passage. Oh, ok, d'accord. À gauche c'était le passage et à droite c'est quoi?
stalk our blessed halls in a fruitless effort to stand athwart the power of righteous prophecy. Believers, do you stand with me? Have you given yourselves to the spark, body and soul? Then I command you to defy this interloper. Take up your blessed arms. Anoint yourself with pure... Ouais, j'ai remarqué qu'il n'y a pas le... pas les, les sous-titres. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de sous-titres. Donc quoi, il y a genre ligne droite, on rentre à l'intérieur. Ah oui, on est en bas. Ah, elle est là. Elle est juste là. Ok. Ou alors, on passe par le haut, je sais pas. Ouh, qu'est-ce qui me saoule tous, là. J'ai du mal avec mon... Ah. Ok, on est bon. J'ai cru que c'était moi. J'étais pas trop sûr si c'était moi ou, le, ou lui qui était tombé. Enfin, dans l'animation, je veux dire. Ça va. Alors... Oh. Le premier... On a récupéré quoi? Ah, oh, il a fait tomber ça. D'accord. Arme de pugilat. Donc c'est les gants en fait de la... Je me demande si on peut avoir la tenue. Je sais que dans le premier jeu on pouvait avoir la, la tenue aussi. C'était une armure. Honnêtement je me rappelle plus ce qu'elle faisait ou si elle était bien. Ça c'est marrant. Ah! Ah oui, non, c'est pas parce que... Oui, non. C'est parce qu'on l'a poussé à combattre encore et du coup, bah, il en est mort, en fait. Ah. Oups. Alors, on verra peut-être plus tard, monter 5 fleurs. Ouais. Je sais pas si c'est la fin de la mission. Enfin, oui, là, c'est la fin de la mission, mais... Est-ce que on peut avoir une autre fin pour Iron Mouse? Ah, en fait, c'est parce qu'il est mort. C'est bête. Pas assez bête. J'ai envie de dire, c'est cool pour nous. On a eu l'arme. Après, un truc, c'est que peut-être... Putain, mais elle fait que gueuler, elle. Peut-être que si jamais on... genre, on lui dit de faire attention, tout ça. Peut-être que c'est son armure qu'on récupère à la place. Il y a un truc qui me tire dessus, c'est sympa. Bien. Allez. Voilà. On aurait dû couper un autre membre. Ouais, c'est pas grave. Où est-ce qu'on va là? Attends, là on revient où on était ou pas? Non. Mais bon. Pam, 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 saloperie.
très bien. Est-ce que ça vaut le coup de sauter? Non. Non, ça vaut pas le coup. Très bien. Pourquoi j'ai le jet sac? Voilà. Très bien. Oh, batterie. Bien. Du coup là on ressort. Oh. Soon the anointed one will return together with the harbingers. Brother Eli shall walk this earth once more. I have seen the light. Take the spark and bring forth the new dawn, Eli. Ça va faire combien? I shall become the spark incarnate. Ça va faire combien de fois qu'on tue lui? Non mais reviens. J'ai besoin de ça. Enfin, je crois. Je sais pas si j'ai besoin de ça. Je sais pas, on est là, on vient tout casser. On vient tout péter. Ah, elle vient vers nous, par contre. Ok. Ah, donc en fait, ligne droite, on n'aurait pas pu passer, je pense. Ça marche. Allez, c'est parti. Katana. On l'a fait classe. Vas-y, on l'a fait classe. This chamber shall be your grave. Ah mais t'es une sorcière en fait. Ok. Tu nous fais quasiment rien comme dégâts en plus. Non. D'accord. On veut lui couper le bras parce que on veut récupérer l'arme. Ça a l'air sympa. Ça a l'air d'être un bâton, je suis pas fan. Rapide là. Très bien. Non, loupé. Ok. Ça y est. C'est marrant, tu ressembles à un monstre. Oh, doucement. Attends.
Oh, ok. Attends. On va lui couper les tentacules. Ok, deux attaques. Laisse pour nous attirer. À la contrer parce qu'elle est lente et rapide. Ok, bien. Attends, là c'est le corps là. J'arrive pas. Allez. Parce que je suis... Parce que je t'ai électrocuté en fait. On peut rien faire quand on est électrocuté. Elle est pas difficile, hein. Ou alors c'est nous qui sommes trop OP, mais... Par contre, j'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu... comment dire... lui couper les deux, parce que là, on va pas pouvoir lui couper les deux membres, parce qu'on va le tuer avant, en fait. Je suis pas très très content. C'est une arme double en plus. Dégâts électriques. Vitesse, c'est pas mal. C'est une arme double en plus. Enfin, c'est... ouais, non, c'est... Du coup, c'est bien pour moi, parce que j'aime bien. Vas-y. Je suis sûr qu'il y a une version 2. C'est bien ou pas? Enfin, c'est sympa, c'est stylé cette arme ou pas? Ouais. Après, il faudrait voir la version 2, comment elle est. Ouais, on a la première. Je suis sûr qu'il fallait... Je suis sûr qu'il fallait lui couper les deux bras extra, là. Les manches qu'elle avait, là. Je suis sûr qu'il fallait faire ça. Puissante... crosse de la matriarche céleste, cette arme n'est pas qu'un simple symbole d'autorité. Son armature solide permet aux porteurs des coups très puissants, tels que les lames électriquement aiguisées peuvent aisément transpercer les défenses les plus solides. Ouais.
Après, ça n'a pas beaucoup d'impact. Si on le compare par exemple à notre. Lourde, marteau, ça. Ouais, bon, ça a moins d'impact, évidemment. Ça a plus de dégâts de base, c'est. Ouais. Vitesse d'attaque, c'est plus rapide. Gain d'énergie, un peu moins. Consomme moins d'endurance, ce qui est bien. Et ça fait des dégâts électriques en plus. Ouais, enfin, à la limite, on pourrait utiliser. Parce que, bon, moi, je suis pas très fan des armes nano. Donc, du coup, on pourrait utiliser ça. Bon, après, le boss, ouais, non, il était pas très. Dur, mais je sais pas si c'est parce qu'on commence, on a un build en fait qui marche, genre qui est créé quoi. Et on n'a pas pris n'importe quoi. Je me demande si c'est grâce à ça en fait. Ou alors elle est juste pas difficile tout simplement. De retour dans les souterrains. I can feel it pulsing through my veins. No door can hold me back, Professor. Soon I'll take your little experiment, and then I'll finally be able to connect to the swarm. Okay. Ah, le coffre, merde. On va faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout. Est-ce qu'on est équipé? On peut augmenter les choses. Ah oui, mais on avait dit que pour le moment on le faisait pas vraiment. Ce qu'il faudrait à la limite c'est les implants. Mais ça pour le moment, bof. Par contre les armes en MK, ouais, on n'a pas assez, ça marche. Ça va, ça va, ça va. Après, un truc qu'il faudrait, c'est peut-être augmenter le. Pour que ça soit utile, hein, notre arme. Parce que là, elle est sympa, d'accord? Mais pour vraiment la rendre très intéressante, il faudrait augmenter l'électricité. Oh, t'as une nouvelle arme, toi. Non? Faudrait augmenter le debuff d'électricité. Merde. Il nous faut des projecteurs hein, de ouf ici pour voir quelque chose.
Après, la version 2, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Genre, ça peut être une version non électrique de l'arme, ou alors une version corrompue, ou je sais pas. Ah, il est allé au CIT. Ok. Donne ton bras, merci. Bien, bien, bien. Parfait. Merde, j'allais le tuer. Enfin, j'allais le couper plutôt. Il est allé en bas. Ouais. Quoique. Ouais, non, si, il est allé en bas. Parti. Après, pour les armes doubles, c'est vrai qu'on les utilise surtout en bah, dédoublé, enfin qu'on les dissocie, mais parce que c'est fun, c'est nouveau en fait. T'as foutu le bordel dans le CIT, mec. Torse Eagle, ça c'est nouveau par contre. Alors, empêche la décharge d'une batterie, ça c'est bien. Consomme une partie automatiquement pour restaurer votre santé lorsque celle-ci est à moins de 25%. T'es sérieux? Ah ouais, non, là niveau survie c'est pas mal ça. En plus ça empêche la décharge des batteries. Consommez une batterie automatiquement pour restaurer votre santé. Parce que c'est à moins de 25%. Genre quand elle la descend à 25%, en gros, on utilise une batterie automatiquement. C'est pas mal pour nous parce qu'on est à 5 batteries, on est au max. Et puis, ouais, faudrait... je crois que c'est celle-là, l'armure. Je crois que c'est ça. Elle a l'air stylée en plus. Mais je crois pas que ça soit une grosse, une lourde, une Goliath. Vas-y, je veux le reste. Je veux le reste. Ça a l'air sympa. Non. Ah, c'est la musique. Cette musique-là qu'on entend, c'est... elle était tout le temps dans les stations médicales en fait, du premier jeu. Et je crois que même qu'ils ont mis une option pour enlever la musique. Mais il y avait toujours la même musique. Le premier jeu, ça c'est marrant, petit clin d'œil au premier. Ou alors il y a Warren pas loin. Alors c'est ça? Non, c'est pas ça. Elle est où, Diddy Eagle? Elle est là. C'est une opérateur. Opérateur, c'est les légères, c'est ça? Ouais, opérateur, c'est une légère. Ouais, non, du coup. Moi, je l'utiliserai pas, perso, mais elle peut être intéressante quand même. Genre, ça serait pour être mobile, quoi. Ah, c'est bête. C'est bête, c'est bête. Oh, mais attends, mais on est au... Ça me dit quelque chose, cet endroit, en fait. Impossible de connaître un moteur central créé. Assistance holographique. Parce qu'il avait un... Ouais.
prisonnière par Stostom. Ouais, c'est marrant. Ça ressemble au 1 en fait. Il est passé par là. On va d'abord faire le tour un peu de l'endroit. Juste au cas où qu'il n'y ait pas d'objet. Ah. Ok, c'est quoi ça? T'es quoi toi? Ah mais c'est pas Harold? What the... Ok. Alors, on a eu les Valkyries. Ah, ça c'est stylé par contre. Ça c'est assez stylé parce que c'est assez... C'est sobre, c'est original. Non, c'est pas original, oui, on peut pas dire c'est original et c'est sobre en même temps, mais... C'est... Y a pas de conneries dessus, quoi. Gain d'énergie, consommation de durant... Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mon truc, mais c'est pas mal. Et on a eu la deuxième partie du... Du Eagle. Gueule. Donc il nous en manque qu'un seul. Bon. Ah non, c'est pas les deux robots de défense ça. Qu'il y avait dans, dans la chambre du mec là. Ok, on a tout. Attends, quelqu'un veut m'attaquer? Ah tiens. Ah là, si on te coupe directement en deux. Ça passe comment? Attends, parce qu'en fait tu me donnes aussi une armure. Merde! Me dis pas qu'ils étaient uniques. Sinon je vais pleurer. Surtout si c'est une bonne armure. Alors, fabriquer. Alors, casque Eagle, l'équipement Eagle. Le casque est sympa, moi j'aime bien. Passe la décharge d'une batterie. C'est vrai que ça aussi, ça pourrait être intéressant de le mettre. Alors, module pour corps Proteus ensanglanté. Alors, lorsque la santé est faible, la santé se régénère. Augmente la santé, restaurée par des injecteurs de soins. C'est de la sentinelle, c'est de la 2, la moyenne. Lorsque la santé est faible, la santé se régénère. Est-ce que ça pourrait être utile? Ouais. Augmente la santé restaurée par les injecteurs de soins. Ouais aussi, ouais. Non, si, c'est... Ouais, c'est pas mal.
C'est pas très... Ouais, c'est pas super original en fait. Les effets, mais c'est pas mal. Ah ah, ils sont là. Donc il nous manque quoi? Casque. Waouh, d'accord, ok. J'ai pas eu le temps de... quoi que ce soit. Les jambes. C'était quoi cet enchaînement de ouf quoi? C'est quoi cet enchaînement? Je sais pas. Quand ils tapent les... Quand on tape en fait des ennemis, des fois ça fait des enchaînements différents. C'est pas moi, je suis pas fou. Hein. Je suis pas cinglé. Hein. Ouais, le Proteus ensanglanté. On n'a rien à augmenter pour le moment. Tiens. Ah merde, le mec est mort. Master Gutenberg is dead. Systems corrupted. Systems corrupted. I was hacked by the children of the Spark. I became their unwitting pawn. Avenge us, friend. Wow, okay, doucement. Bien, bien, bien. Attendez, on a eu le marteau Perceval.
Ça aussi, c'était dans le premier. Et on a eu des... Merde, on a eu des parties d'armure, du coup. Du coup, il fallait que je les découpe bien, en fait. Plus récent. Et plus récent à l'envers. Comment c'est ? Chambre Proteus. Lorsque la santé est faible, santé est... Ah d'accord, en fait c'est la Proteus normale, mais pas ensanglantée quoi. Cet ensemble d'équipements Proteus est fortement été altéré par l'influence néfaste de Frère Ellie. Ça c'est la version normale. Ah, c'est peut-être une différente classe. Athena is stronger than you think. And she's not alone. You've been a complete and utter failure! Ça fait chier parce qu'on a... Il manque sûrement une partie. I hope you find this message before it's too late. I'm running out of time. That zealot Eli is almost here. There's so much I want to tell Athena. So much I want to tell you. But I'm afraid my time is up. You two have a special connection. I'm sure of it now. I don't know how to say this, but I finally understand what's going on. Athena saved your life. But whatever came back is different. You are not who you used to be. Now that's what I call a good monologue. Eli, I've grown tired of your speeches, old man. You won't get away with this, Eli. Mm-hmm. Ooh. Nano d'absorption chargée. Ça y est. Alors, vous pouvez désormais absorber les barrières de nanites en les frappant à l'aide d'attaques chargées. Maintenez à l'aveu. Hein, foncez pour charger vos attaques. Ça marche. Bon, bah c'était simple. Waouh. Ouais, c'est pas très... je pensais que ça allait être un peu plus surprenant que ça, mais... En fait, non. On n'avait pas une barrière avant ? Alors, fais voir que je pleure un peu. Sentinelle. Non, ça va, les deux sont des sentinelles. La différence, c'est quoi? Fais voir. Genre là, ça consomme plus de... d'endurance, d'esquive et tout. Là, moins. Mais, et plus... Ça, quoi? Ça n'a pas vraiment de différence, en fait. Ça a des mauvaises différences. Peut-être là c'est plus intéressant. Ouais, impact 10%, c'est bien. Vitesse d'attaque moins 2, là c'est moins 1. Il n'y a pas d'impact. Ouais. Manque le corps. Bon, c'est pas grave. C'est pas un truc dans lequel on est vraiment intéressé de toute façon. Donc ça va. Non, on ne peut pas revenir de toute façon. Ouais, je pensais que ça allait être un peu plus stylé quand même, le fait de détruire les barrières.
Oh là là. Ça va tellement s'animer ce truc. Si ça s'anime pas, je vais être vraiment surpris. Personnel transfer completed. 010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 01
C'est bon? Ok, très bien. Faudrait qu'on monte au niveau 90 en fait. Tout simplement. Faudrait vraiment qu'on monte au niveau 90. Pour les armes, non. Multilame holographique. Est-ce que ça monterait à 422? Ça, 448. 467. Non, la mâchoire animée, non. Il y a plein de... En fait, les implants, on peut pas vraiment les augmenter. Enfin, c'est très rare, en fait, ce qu'on peut augmenter. Après, le truc, c'est que quand on sera en New Game Plus et tout, on va encore avoir, je crois, des nouveaux implants encore plus puissants et tout. De MK plus élevé. Mais je vais être honnête, je pense pas que... je vais jouer en New Game Plus. Non, je sais pas. Ça peut être marrant pour passer le temps, mais après refaire des vidéos et tout dessus, bof. Je sais pas. Peut-être en stream. Ouais, mais j'ai pas vraiment envie de streamer en ce moment en plus. bah voilà. Je pense pas qu'on fera du New Game Plus. À moins qu'il y ait vraiment rien. Alors, on peut toujours faire les plantes, mais les plantes, j'ai pas les graines. Après, il y a les tags aussi qu'on pourrait faire, mais honnêtement, ça me saoule de taguer. Hey there, haven't heard from you in ages. You still alive? T'es où, Warren? Meet me at the underground train station if you have some time to spare. I'm almost done preparing. Just need the repeller. Ok. Station de métro souterraine, ça marche. Par où on passe pour aller à la station de métro souterraine? Warren! Très bien trouver un moyen d'aller là-haut aussi. Non, c'est pas ça. Rien. Je sais pas ce que tu me montres.
Ok, là c'est aussi qu'il y a toutes les bestioles. Voilà quoi, on cherche un peu. Donc tu veux qu'on aille au métro ? Non, on va au métro. On va voir s'il n'y a pas quelqu'un au camp. Merde, c'est pas par là le camp. On peut aller au métro par là ? Non, là non, mais de ce côté-là... Non, ça m'étonnerait, hein. Ouais, non, mais casse-toi. J'ai pas envie de te combattre, t'es saoulant. August 6th. God, haven't used this diary in weeks. Jericho's gone straight to hell ever since that plane crash. There are government patrols lurking behind every corner. I've been waiting around in this quarantine camp for over a week now. I don't know why. I never felt better in my life. August 7th. I need to get out of this dump. The people around me are weak. They've lost all purpose. But I know there's something. Someone waiting for me outside. I can feel it. Mm-hmm. On a trouvé deux enregistrements. Ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres ici. Mais ouais non, c'est intéressant de les trouver ici en fait. Bon, on va voir ce qui s'est passé au Cloud 9. J'imagine que beaucoup de gens sont morts. Comment on retourne dans le métro? Putain, j'ai oublié. Je crois que c'est après le Cloud 9. Je crois. Alors. Some psycho preacher killed Gerard in cold blood. He just skewered him like a shrimp. Poor guy went out like a damn punk. I think, no, I'm sure it was Brother Eli. I recognize his smug face anywhere. That bastard has to go down. I'm the boss here now. Just FYI. So, you buying something or not? Ok, mec. Shit. My pop always warned me. We keep. Damn it. This is it. This is the end. Ouais. I never should have divorced Kate. Thanks for helping us patch things up. She's. That's why. Ouais, y'a rien. Thank you so much. You've been a real ally in these trying times. Ah, merci pour la hache, honnêtement. Don't get discouraged. This is it! The revenge of the machines! Hmm.
The revenge of the machine. Très bien. Ouais, je pense qu'on peut... Station de métro... Ouais, non, elle est par là, ouais. Ouais, je pense qu'on peut trouver la station de métro, maintenant. Je crois me rappeler, mais pas complètement sûr à chaque fois. Y a plus le mec non plus. Quel bordel. Right into our trap. Revenge from Major General Shield. Ah ouais, carrément. Je suis un peu occupé. You'll regret this. Vient de me donner du Ronin. Tu viens de me donner du Ronin. On a trois parties maintenant. Hey you, come on over. Yeah. You slash the nanites, I'll slash prices. Yeah. Sure, sample my goods. Alors, Vecni infecté, Vecni infecté. Ok, il y en a un qui est augmenté en fait. Bon, on va prendre l'augmenté. C'est quoi, c'est un katana? Nano dégâts 410, ouais. Ah bah c'est plus haut que notre katana en fait. Genre... Bon après le katana il deviendra mieux mais... bon 50 d'énergie, vitesse, impact 21, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. J'ai envie de dire que c'est peut-être mieux que la hache en fait. Ouais, on peut le garder, ça c'est pas mal. On va tester un peu. C'est, bah, c'est une épée rapide et tout ça qui est qui a 21 d'impact, ce qui est bien. Puis elle a des bons dégâts. Bon après elle est nanite, bon. Hein, pourquoi pas. Hein. As expected, the assassin put up a fight. Our mission continues. Next time, we will terminate the killer of Major General Shields. Duty demands that justice be served. Ça va? Oui, il y a ce chemin là. Par contre, un truc que je vais faire, c'est pistolet laser. Ouais.
Je veux voir s'il y a pas, il y avait pas un truc là. Souterrain, un souterrain de ce côté. Je me rappelle plus vraiment en fait. Non, on l'avait fait, ok. Ça marche, on se casse. Non, merde, j'ai oublié que... C'est bon ? Ils sont tous suicidés, c'est bien. Et toi, t'es pas en Ronin du coup ? Non, ça... Ah non, 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 t'es pas en Ronin, pardon. T'es un truc non ensanglanté en fait. Ou alors ensanglanté. Très bien. Je crois que c'est là. C'est là le métro. J'ai pas regardé, j'aurais pu regarder. Ouais non, on va garder l'épée pour l'instant. Ouais, pas mal. On n'a pas trouvé de grosse hache comme j'avais dans le premier. Genre, vu qu'il y a l'armure Cerberus, j'aurais pensé qu'on puisse trouver la hache. Hey Warren, ça? Everything has been leading up to this. We're almost done here, partner. Are you ready for the encore? J'ai trouvé la bombe. Look, shook up. Let's hope whatever you did to get it was worth in the end. This will make the way out of Jericho City much safer. Okay. You have no idea, partner. I found a couple AID soldiers guarding the control room, but they won't be a problem anymore. If we want to give clearance to the train, we'll have to do it manually, which means one of us will have to stay behind. Look, I'm sorry, partner. I can't ask you to do this for me. You should go. Non, j'ai encore des... Yeah, I thought you'd say that. Always the selfless one, huh? You'll have to tell me the rest of your story some other time. Ça marche. I don't know how I can ever pay you back for everything you did, but I'll try. Our tearful goodbye, you'll just have to wait a little bit longer. So, let's see. You got me a real AID gear set. You helped me find the evidence at AID command. So there's that. You got me the repeller coil to denanify the tunnel at Jericho. Ouais. You didn't put a foot wrong, partner. I'd say you earned yourself a hell of a reward. Yeah?
Qu'est-ce que tu comptes faire une fois que tu auras quitté la ville? The world will learn that nobody gets away by fighting terror with more terror. With the files you helped me get, I can get justice for the people killed by the AID experiments. We did good, you and I. Uncovered important things. No matter what happens next, I'm damn proud of us. Mais attends, on a la même armure en fait. Non? Mais elle ressemble un peu. Mais on a le même bras. Yeah, maybe it's time for me to come clean. What do you want to know? Alors, qui es-tu? Just an average Joe. At least that's what I thought, till my first day of work at Creo. Everything going on in this city today started there. Creo tried to release those nanites into the atmosphere to save humanity from certain doom, a last-ditch attempt to rescue a chosen few. The plan backfired. First, they wiped out their own company. Then, their rocket collided with Flight 221. That's when the real fun started. While you were up there fighting for your life, I was down at Creo. Had a front row seat in a genuine cataclysm. It's the old story, really. Wrong place, wrong time. Je suis en train de me demander si on voit pas la fusée taper dans le vaisseau, dans le 1. Je me rappelle plus trop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? First, go find the control room. It's right above the train tracks. And last but not least, we'll send the train on its journey. And that should be it. Sounds almost too easy, doesn't it? Goodbye for now. Mais du coup, on peut genre partir et finir l'histoire, enfin genre avoir une fin. Injection qui utilise une batterie pour augmenter la perception et permet de voir les mouvements des ennemis au ralenti. Oh, je crois qu'on l'avait dans le 1 ça aussi. Équipement standard pour les membres de groupe d'intervention du personnel de Creo, qui intervient pour les incivilités occasionnelles. Ah, ça peut être intéressant ça aussi. Ouh, rédemption de Warren 2.0. Ok. Ouh, c'est joli quand il bouge. Pourquoi c'est couleur arc-en-ciel? C'est rapide. Ouais, bof. Je vois pas pourquoi ça fait des couleurs arc-en-ciel. C'est pour dire qu'il est, il aime bien les mecs, c'est ça. Enfin, moi ça me dérange pas, mais bon, sur l'arme, je comprends pas. Rédemption de Warren. Rencontrer tous en survie pour créer ce Yosuke Butterfly personnalisé grâce à l'aide d'un autre survivant du Jericho City. Warren a réussi à s'échapper de la vie, il a beau vouloir démanteler l'AID pour de bon. Où cette mission va-t-elle bien pouvoir le mener? Ouais, c'est pas... Ouais, même pas. Bah Warren, honnêtement, t'aurais pu me donner un truc plus intéressant. Donc on pourrait partir. Enfin, tu m'as donné... oui, le truc ralentit le temps, là. Ouais, à la limite, c'est sympa. Bon, nous, on doit aller taper... Enfin, on peut activer le train, déjà. Je sais pas, on dit à machin de partir, à Warren de partir. C'est ici. Sweet, it works. But it's not time to leave. Not yet. I won't skip town without saying goodbye first. Ok. Donc ça veut dire quoi? Donc on dit au revoir, on dit pas au revoir, comment ça se passe? Yeah?
Au revoir, Warren. Well, it's been a pleasure, considering the circumstances. Still, meeting you almost made it worth it. No matter what happens, I'll always remember you, my friend. Thanks for everything. Ok, c'est juste pour lui dire au revoir en fait. Oh. Allez, adieu Warren. Bon voyage. On te verra peut-être dans le troisième jeu. Je me demande si on aurait pu partir à sa place. Le témoin. House of Bamboo. Coffee Craft. Ouais, non, c'est bien. On a bien fait. Je vais voir s'il y a, il y a quelque chose qui a changé dans la, la control room, là. Non, c'est bon. Ouais, non, ça va, c'est cool. On a sauvé Warren, quoi. On reviendra sûrement dans le troisième jeu à continuer sa croisade. Ils aiment bien faire ça aussi, les devs, j'ai remarqué, de nos jours. C'était rare avant. Après, c'est devenu de plus en plus, on va dire, commun. Enfin, on va dire que ça devient un peu une facilité. Dans le premier jeu, on contrôle genre un personnage. Et puis après, dans le deuxième jeu, on contrôle un autre personnage qui va rencontrer le premier personnage. Ça arrive de plus en plus souvent quand il y a des suites comme ça. Genre quand il y a des suites, on va dire, plus ou moins directes, il y a beaucoup de ça. Les devs utilisent beaucoup ce système. Après, c'est sympathique, hein. Mais ouais, moi j'aime bien. Ok, on peut augmenter notre arme. Ah mais là, vu qu'on a l'épée déjà, honnêtement, est-ce qu'on peut pas passer, est-ce qu'on peut pas augmenter autre chose à la place? Lâche. Bon après c'est de la nani. Ouais non, on va augmenter le katana. On va rester sur le katana. On va dire que le katana c'est notre arme principale. Et après, gain d'énergie 85%. Cool. Le katana reste notre arme principale. On va l'utiliser pour combattre le boss de fin. Bon, on est de retour. Ouais, on avait le coffre. Merde, j'ai oublié. La vache. Bien.
va te faire naître. Merci. Cool. D'accord. Hop. Katana. Alors, on va rester au katana. On va déséquiper l'épée. Elle est bien, mais on va déséquiper. C'est chez trop d'armes en fait. 3, c'est largement suffisant. Une armure, une nouvelle armure ou pas? Non. T'en avais un peu l'air. C'est bon? Très bien. J'imagine que là c'est pour trouver un endroit pour se reposer parce que là... On va où là? Vers le centre de commandement. Ouais, non, mais... Non, on va continuer où... le chemin, là. Où ça allait. Là. Oh. C'est parti. Centre de commandement à idée. Désolé, mais fou, c'est long. Alors. Nothing to lose. Bring it on, bastard. Attends, faut que je regarde ce qui me manque sur elle parce que je la voudrais. Inventaire. Par nom. Donc moi c'est Aïdé Ronin. Donc on a les jambes, le casque.
Les bras, jambes, casque, bras, il manque le corps, je crois. Du coup. Putain, mais cible le mec est devant quoi. Oui, oui. Ouh, tu m'as gavé. Ouh, on m'a dit de utiliser ça. Putain. Casse-couille, quoi. The Ronin squad is on the verge of defeat. We have nothing left to lose. We'll drag this traitor to hell, even if it costs us all our lives. Duty demands. Oh, 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 oh. Très très chiant de combattre dans cet endroit. Emergency protocol initiated. Major General Ezra Shields has been assassinated by an unknown rig-equipped intruder. Your mission is to retaliate immediately. All engagement limits are suspended and maximum sanctions are hereby authorized. The perpetrator won't be easy to find. Both rig and neural interface appear to be stolen. There are no traces of this person in our database. This individual was a real pro. Track down and eliminate the target. These orders supersede all other commands. Un Cerberus. Très bien. C'est pas les mêmes ceux-là en plus. Ah, c'est des versions augmentées. What the fuck?
Sérieux? Il va falloir que tu viennes en fait. Il va pas venir. Je me demande si elle est comme dans le premier de Cerberus. Enfin, c'est sûrement pas le même nom. C'est pas, je pense pas que ce soit Cerberus le nom. Mais il y avait deux tenues qui se ressemblaient. Arrête de me... Putain. Chaque fois il me foutait dans les nanites. Fuck. Très bien. Non, il faut que je me protège en fait.
toujours. Ah, fait chier. Lance jumelle de corruption. Et bras d'armure de la déesse. Alors, augmente les dégâts infligés par les attaques de drones. Organisation en continu. Lorsqu'une batterie se remplit, permet de gagner 2 omnicellules. D'accord. C'est comme les statues en fait, mais en mieux. Ouais, il y a Gaïa et Elena. Est un équipement Gaïa mais en plus chic. Ouais, elle est un peu améliorée. Là c'est 2, là l'autre c'est 1. Omnicellule. Apparemment, j'ai loupé des objets. Voilà. Ah, ils sont tous morts quoi. Il y en a un là.
Bon, bah on arrive vers la fin. La grande muraille. Challenge incoming. I repeat, challenge incoming. I knew you'd prevail. No, the dead bastards are everywhere. My mother taught me the truth when I was but a boy. We are all trapped by fate, caught in a moment soon to be forgotten. We live our lives without purpose. I understand. I finally get it. Everything is different. And yet, here I am. Same me. New shape. New destiny. We're running out of time. I'm the last obstacle in his way. Hurry! Okay. J'arrive, j'arrive, madame. Je vais être honnête, je suis un peu fatigué, madame. Ça fait un petit moment que je combats. Vivement qu'on arrive à la fin. Ouais, ça c'est la version AT, Elena, pardon. Du coup, on a récupéré la Ronin ou pas? Oui, on l'a. Classe Sentinelle Ronin. Donc la classe Sentinelle Ronin, elle ressemble en plus à ça. Au Jaguar, vous l'avez fait et tout. C'est stylé. Sauf que là, c'est une version Sentinelle. Les autres, c'est quoi? Des versions opérateur, non? Ouais, opérateur. Donc ça, c'est une version un peu plus lourde. La Sentinelle. Ouais. On va la crafter. Améliorer. Ah tiens, on a assez pour améliorer une autre arme. On peut améliorer le bâton électrique. Enfin non, l'arme double électrique qui est pas mal. Ou alors on fait avec la hache qu'on aime bien. À la limite, on va peut-être faire le. Ouais, j'en sais rien en fait. Ouais, non, moi j'aime bien mon bâton. Mon bâton, j'aime bien ma hache, pardon. Alors, fais voir. Ouais, c'est pas très stylé en fait. Je vois pas pourquoi. Oh, pardon. Je vois pas pourquoi c'est jaune en fait. Enfin, c'est pas. Ouais, si, oui et non. Moi j'aime bien la cape. Oh, c'est stylé. Ah, du coup ça marche pas.
Ok, ça marche bien avec le katana. Ouais, non, c'est... Ah, elle est pas si mal, hein. Elle est pas si mal, en fait, hein. Je devrais me mettre sur le troisième, genre, vu qu'on a rien, quand je vais tester un équipement. Mais bon, du coup, fais voir. Genre, casque Ronin. Casque Ronin, donc ça serait 5 omnicellules. Mais omnicellules, c'est vrai que c'est pas ultra. C'est pas le truc ultra recherché. La portée des attaques au visage chargée effectuée avec les armes à une main. Ça, c'est pas mal. Enfin, c'est une gimmick, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas transcendant non plus. Voir un peu. Genre. Comme ça. Stabilité. Ah, parce que l'autre aussi, c'est une classe sentinelle, donc les deux se valent. Par contre, dégâts protégés plus 22%, c'est pas mal. On a plus de dégâts. Ouais, enfin, c'est de l'AID, donc l'AID, à chaque fois, je veux pas dire, mais ça tape toujours très fort, les AID. Par contre, si on compare à ça... Ah, mais j'ai mis le mauvais, en plus. Ouais, j'avais mis le mauvais, j'avais mis le bas niveau. Faut que je fasse attention à ça. Non. C'est ça, le Ronin. Alors, si on arrive en ça, on arrive à impact 0, ouais, vitesse d'attaque du 6%. Ouais. Je sais pas. C'est pas. Ouais, c'est pas extra, quoi. Ah, il y a Rex, faudrait. Ouais, Rex, on n'a pas revu. On aurait dû retourner au Cloud 9. Comment on aurait pu retourner au Cloud 9? Non, pas Cloud 9, le magasin, là. Ah, je crois qu'on a... On a trouvé le chemin en cassant un mur. Je crois. Ah, merde. Ah, c'est pas grave. Ce n'est point grave. On peut encore augmenter, ouais, on peut encore augmenter. Oh la pute. Ouh.
Ça va être encore un labyrinthe. Attends, j'ai pas loupé un truc ? Non. J'ai vu qu'il y avait un objet en hauteur, mais... pourquoi ? Ok. Pourquoi vous me combattez ? Enfin, là, idée, oui, il me combat depuis le début, de toute façon. Waouh, ok, d'accord. C'est bien. Il y avait un objet là. Ah, très bien. Sans deck. Attends, là on peut passer. Oh là là. Passer de tous les côtés encore. Est-ce que on tente là? Ok. Elle nous a créé un joli pont. Par contre, je voudrais bien voir là. Vers les souterrains. Non! C'est de là d'où on vient ou pas? Oh là là, j'ai un doute maintenant. Vers les souterrains. Fais voir. Genre on est tellement proche de la fin. Et puis c'est encore des labyrinthes. Oh mon dieu, ça me fatigue. Ah, j'avoue que j'en peux plus là. Oh la vache. Je me rappelle cet endroit, ok. Ah oui, il y a un mur là-bas.
Faudrait que je le fasse plus au réflexe en fait. Je le spam parce que. Bah, voilà, parce que panique quoi. La mimétique. Ah, c'était une épée du 1 ça. Une épée du 448, 475, 82. Non, j'étais en train de regarder le mauvais truc, moi. Bah, elle est où? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Le sombre berceau. Ouais, on se casse. Comment on remonte par contre? On va devoir tous retaper les ennemis. Oh, what the fuck? Tu veux que je fasse quoi là? Quoi cette merde? Tu veux que j'aille sur les côtés? Je vois rien. Elle a pas sauté, c'est bien. Oh putain, on est là. Non, en fait. Waouh, pas mal celle-là. Pas mal. Ok, là, ça commence à me gaver par contre. On va faire ligne droite vers le boss parce que là, ça commence à me saouler. Ça devient un peu trop long.
Plateforme centrale. Oh la vache. This isn't about me. It never was. The Nanite Swarm chose me for purpose. Saving humanity is my fate. I will save everyone. The children of the Spark. The people of Jericho City. The girl in the swarm corrupted by... And yes, even you. Warrior. Putain de pute quoi. Je dois bien, voilà. Reprendre la tête en fait. Si j'avais commencé avec la tête. Alors, réduit fortement le taux d'accumulation de nano effect. Tiens, on avait pareil, c'était une récompense là du mec qui nous demandait de tuer ses collègues là. It's a sight to behold, isn't it? The Great Wall of Jericho. Yeah, serves its purpose well. You really think it'll contain the nanites? Look, don't make me laugh. Have you seen the blueprints? It's basically just a bunch of giant magnets. But why did we build it in the first place if everything's hopeless? One word, kickback. Listen, I don't care if you want to save your family or whatever. Some people believe in the wall, others pay big money for it. It's all about politics. Everything va has its use. Permettre. That's good enough for me. J'ai du mal à bloquer ces trucs là, je les bloque jamais quoi, c'est abusé. Oh putain de merde. Oh la vache. Oh la vache. Oh la fatigue. Je crois que je vais faire une pause en fait. Honnêtement, je crois que je vais faire une pause avant de... Va te faire enculer de faire le boss de fin. En fait, faut que je trouve un endroit où on peut s'arrêter. Après, je sais que en théorie, ça doit être là, le prendre la tyrolienne, là, pour finir. Va te faire mettre, mais alors bien. Va te faire enculer toi aussi. Genre tout le monde en fait. Allez, va vous. Allez bien vous faire mettre. Ça va? Merci.
Ça aussi, le truc de maintenir X comme ça et qu'il y a un délai, du coup, parce qu'il y a un temps pour que ça charge. C'est un peu relou, quoi, quand t'as le mec qui arrête pas de te bourriner comme un connard. Ça aussi, je serais pas contre pour un truc instantané, en fait, à la place. Te faire foutre. Va te faire mettre. Où est-ce qu'on va? Je suis sûr que c'est des raccourcis tout ça, mais... Est-ce que c'est des raccourcis qu'on va vraiment utiliser, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, machin? Work on the upper sectors has come to a standstill. We're running out of materials. Government support is getting more chaotic by the hour. I haven't even been able to pay my builders for weeks. It's getting more and more dangerous to climb any higher. I really can't afford another half. What? What the fuck? J'avais bientôt coupé en plus. Technogenèse. Nanorésistance et tuer des ennemis restaure votre santé. Waouh, tuer des ennemis restaure votre santé. Tout simplement. Lame crochue. Cristallisée. Ouais, bof. L'autre qui s'est suicidé. Hein. Ah waouh, il y a même des objets dans ces boîtes là.
Allez. Putain. Ça finit jamais. Le problème, c'est qu'il avait récupéré toute sa vie. Putain de merde. Très bien. On n'est pas fini. On est bon. La vache, fallait crever quoi. Oh, tu m'étonnes qu'on ait un truc comme ça. Empêche les décharges de 3 batteries. Ok. Et on a le torse. Et on a les jambières. Oh la vache. Ah, ça va, ils vont s'entretuer. Plus ou moins bon. Là, en fait, il est en train de tuer tout le monde avec ses nanites de merde. Enfin, surtout ses potes, quoi. Everyone's dead. I'm the last man standing. I don't even know what happened. All of a sudden, this crazy preacher waltzes through the battlefield like a tank. Next thing I know, he wipes out both sides with a flick of his finger. And then, just a few minutes later, that snake goes crazy. The pain's unbearable. It's too late for me. Please have mercy and kill me.
kill me. Please. Voilà. Voilà, on a exaucé son vœu. Bon, moi je vais faire une pause parce que là ça commence à être un peu trop long en fait. Vraiment trop long. Qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, on a eu la même chose mais en rouge quoi en gros. Améliorer en même en violet quoi. Là, on a même mieux en jaune, hein, niveau 10. On pourrait tout mettre en niveau 8 à la limite. Il y a quoi qui change? Ah, rien qui change. On pourrait passer en 9. Chrono, moins 17%. Ouais, c'est vraiment l'idée de le faire parce qu'on peut le faire. Ça donne de la défense en plus. Mais c'est un peu du gâchis en fait pour le matériel qu'on doit trouver. Enfin bref. Ouais, on va s'arrêter là. Désolé, mais un peu fatigué là. Mais ouais, on va continuer ça la prochaine fois. Et on finira le jeu. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao. Et nous sommes repartis pour Surge 2. Porté disparu un plan. Ah oui, j'ai téléchargé des choses. Car apparemment c'était gratuit. On a deux téléchargements. D'accord. Ok. Je voudrais bien qu'elle marche là. Ennemi en approche. Quoi, c'est pas... Ah okay, j'ai envie. Ouais, ok, d'accord. On va avoir un problème en fait pour à chaque fois rester ici, quoi, c'est trop bien. Je vous montre ça dans un petit moment du coup. Oh mon dieu. Oh, je peux pas me... Ok. Je peux pas bouger quand je suis dans la nanite, c'est très très chiant. Je peux pas genre esquiver ou quoi que ce soit. Alors on finit ça, on tue les mecs et après on montre le truc que j'ai. Hein. Désolé, hein. C'était pas vraiment prévu d'être bloqué comme ça. Plus qu'un... Oh putain, tu m'as gavé toi. Voilà. Putain. Donc normalement on a une armure, je crois bien, et on a... Honnêtement, c'est vraiment con d'avoir mis des ennemis aussi proches du coup. Si à chaque fois on doit les tuer. Donc normalement on a une armure. Je vais voir là, je sais pas si je vais vérifier ce qu'il y avait là. Et un plan, des armes aussi. Ah voilà, voilà. Du coup il y aura plus d'ennemis, c'est ça? Ou alors elle tuait les ennemis? Elle tue les ennemis pour moi. On va voir. Alors, normalement on a une armure.
ou pas, j'en sais strictement rien en fait. Normalement on devrait avoir des trucs en plus. Je sais pas, je vois pas de choses nouvelles. Bon. Peut-être du coup... non plus les implants. Bah, j'en ai aucune idée. Mais ceci dit, il y a aussi du coup un DLC. J'ai regardé. Il y a un DLC. Pourquoi j'ai... Ah oui, on avait tout mis en neuf, c'est vrai. Il y a aussi un DLC en fait avec The Surge 2. Et j'étais en train de me dire, est-ce que on va faire le DLC ou pas après avoir fini le jeu. Et je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Du coup, en fait, faut le payer. Parce que là, je suis sur le Game Pass, du coup. Donc, il vous donne le jeu, puis les DLC gratuits. Enfin, il vous donne le jeu. Vous l'avez pendant autant de mois que vous avez l'abonnement, quoi. Et après, vous avez une 10% de moins sur, en fait, sur le jeu lui-même, déjà. Et après, vous avez 10% de moins aussi sur les DLC et tout ça. Donc, c'est à peine à 5€. Mais je sais pas trop si j'ai envie de le faire, le DLC. Je sais pas, je vais y réfléchir. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a bel et bien un DLC, un peu comme le premier jeu, où il y aura une nouvelle zone et tout ça. Ouais, d'accord, ok, donc elle les tue en permanence, en fait. Enfin, permanent... Perma. On est prêt? On y va? La dernière fois, je me suis arrêté, du coup, sûrement devant le boss, mais... Ok. Mais, honnêtement... Ah, putain... Mais honnêtement, il y a quand même beaucoup de... Putain de merde. Oh, t'es sérieux? Il y a quand même beaucoup de... d'aller-retour et... Ouais, pourquoi j'ai perdu le... Allez. Ok, j'avais perdu le lock. Vache, quand est-ce qu'il attaque? J'ai tendance à spammer en fait au lieu de regarder ses mouvements. Très bien. Ok. Il y a un gros truc à droite, il y a lui devant. C'est le fun et les deux sont activés. Je l'ai pas touché. Ok, on est bon. On va le tuer lui. Mon dieu, le pire endroit pour combattre, quoi. C'est bien, ça marche. Fou. Après, ils font pas, comme j'ai dit, vu qu'on est en mode gros tank, honnêtement, on prend pas beaucoup de dégâts, mais c'est juste embêtant. Ouh, il est au niveau celui-là, 5. Alors, lorsque la santé est faible, régénère la santé et les dégâts sont augmentés, et la santé se régénère. Oui, tu l'as déjà dit. Donc on a 6% de dégâts, dégâts élémentaires 14, santé restaurée 30%. Alors que la santé est faible. Ok, c'est pas mal. On a beaucoup de choses pour résister
Je trouve. Je sais pas s'il y avait autant pour le premier Surge. Possiblement le premier était plus difficile que le deuxième, je dirais. Je pense. Attends, attends. C'est là on peut y aller là. Là, très bien. Je veux pas tomber et avoir fait tout ça pour rien, donc d'abord on ouvre la porte. Voilà, très bien. One blessed with the power of creation. One with the power of destruction. Our final clash will decide the fate of the world, little girl. The Harbingers have lent me their power to snuff out everything you've given life to in a final act of mercy. Your warrior will be the first to fall at my hands. The spark will strike! The world will change! À ses frères et lui. C'est bizarre que l'histoire en fait passe du côté où les nanites du coup, enfin elle avec les nanites elles sont sympas et tout. C'est, ça change du premier en fait. On va dire que ça devient un peu plus compliqué aussi. Tu vas nous téléporter dans une arène, c'est ça? Too late, warrior. Nothing can stop me now. With Athena's power, I can bend reality to my will. All hail, wow. Eli, the spark incarnate. Okay. Ça marche. Faut timer ses attaques, c'est un peu con de les... Faut les apprendre à chaque fois. Qu'est-ce que c'est chiant. Okay. Ah. Non. On va faire le bras gauche. Oui, relou à taille. Hein. Après, pour le moment, il n'a pas l'air très compliqué. Bon, on va un peu taper. Ça, j'y arrive. Qu'est-ce qu'il fait?
connais. J'imagine qu'on peut pas le stun. Toi aussi t'as un drone en fait, j'ai envie de te dire. Évidemment, c'est quand j'ai plus de tir, quoi. Oh. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Eli? Ok, il reste plus que la tête. Tout va bien. Espadon archange, de l'archange 2. Donc j'imagine que c'est peut-être parce qu'on a coupé des parties du truc. Honnêtement, il était pas compliqué. C'est joli. Nano, impact 31, c'est beaucoup. Euh, 520, c'est l'arme la plus puissante qu'on ait pour le moment. Bon, après, elle est niveau 10. Hein. Ah, l'arme de prédilection de frère Eli, concrétisée par ses dernières volontés lors de la canonisation pour devenir un saint vivant des enfants de l'étincelle. C'est sympathique. Après, j'aime. Ouais, c'est une arme lourde, quoi. Mais ouais. Après, elle est jolie. On va se remettre au katana, mais on va le garder en favori. On va l'utiliser de temps en temps. C'est tout. Ah. It can't be. Was I wrong all this time? Maybe I truly deserve oblivion. You shall be my judge, warrior. Tout le monde aura une seconde chance, même toi. Non, je serai ton bourreau. Death at last.
Thank you so much. You never stopped fighting. Never stopped believing. I always knew you'd save me. But now, it's time to look ahead. I can look right into your heart. I know what the reward you desire so much is. You treasure power over everything. With great determination, you forged ahead, undeterred and ever focused. Deep inside, you have always been part of the Swarm. And now, you'll become its loyal guardian. Mm-hmm. Maybe we were asking the wrong question. Being made by humans, machines will never be pure. They will always carry their heritage. By design, they can never be without flaws. But maybe they don't have to be perfect. Maybe all they need is a soul. Les cinématiques de ce jeu sont très très jolies. Waouh. Honnêtement, la fin elle est nulle. Je suis désolé, mais la fin elle est quand même bien bien nulle. On a fait tout ça pour avoir un combat un peu médiocre avec un boss avec qui il a une seule phase. Je m'attendais quand même à un truc avec plusieurs phases. Bon, après, les niveaux sont très longs, il y a beaucoup de labyrinthes et tout ça, mais je m'attendais avec un truc avec un peu plus quand même. Je me demande si on a gagné l'armure, parce que là, elle nous a mis en tant que gardien. Ah, on peut accélérer le truc. Ce que j'en pense de Surge 2, Surge 2 est nettement un bon jeu. C'est que c'est clairement un bon jeu. Je pense que c'est à une amélioration. Niveau gameplay, honnêtement, niveau gameplay, gadget, un plan, amélioration. Pas niveau des armes, parce que niveau des armes, on a les mêmes choses, honnêtement, comparé au premier. On a juste les armes en double, les armes doubles, qui sont nouvelles, je crois bien, du deuxième. Et encore, je suis pas complètement sûr, mais je crois. Oui, je dirais que oui, je suis 99% sûr que oui. Mais tout le reste que j'ai dit avant a été amélioré, comparé au premier jeu, honnêtement. Après, leur niveau design est une horreur pour moi, ça c'est personnel, ça c'est pour moi, je me perds tout le temps, mais vraiment, mais tout le temps. C'est des labyrinthes sans cesse, c'est un truc de fou. Mais c'est leur spécialité, c'est leur touche. C'est genre dans Dark Souls, il y avait des niveaux et tout ça, il y a des raccourcis et tout, ça va. Il y a un ou deux raccourcis par zone, voire un la plupart du temps seulement, et voilà, ça a du sens. Là, c'est genre plusieurs raccourcis pour revenir au même endroit. Et au bout d'un moment, c'est un bordel monstre et je sais même plus où aller. Moi, j'arrive pas en fait à positionner les emplacements de certains lieux sur la map, tellement que c'est le bordel. Il nous faudrait vraiment une map où qu'on puisse une map à la limite 3D, un peu comme la Dead Space, ou alors un endroit en fait, quelque chose qui nous dirige, honnêtement. Enfin, mais c'est pour moi ça. C'est personnellement moi. Après, l'histoire, je la trouve pas super intéressante. Je trouvais les histoires secondaires plus intéressantes que l'histoire principale du jeu. Genre où il fallait tuer par exemple le monstre avec les trois piliers à activer. Où il fallait... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est des statistiques. Ennemis les plus meurtriers. Nano créatures. 5. Comme 5,7% des autres joueurs. Ah, c'est marrant qu'ils mettent ça. Mort, 21. Moi, ça va. Boss Little Johnny. 4h40. Mort 3, frère Ellie. Il est où le dernier boss, frère Ellie? Harold, Gateway Bravo, DS Elena, 0 mort. Mort 2 fois sur les souterrains. Matriarche Céleste, 0 mort. La Grande Muraille, 3 mort. Archangel Ellie, 0 mort. Moyenne 2,9. Je pensais que c'était 2900, mais non, c'est 2,9. On a mis 28 heures à peu près. Honnêtement, je crois que j'ai fait pareil pour le premier jeu. J'avais dit quoi, 28 vidéos ou 18 vidéos, je m'en rappelle plus. On va voir New Game Plus. Nouvelle partie déverrouillée, vous avez terminé le jeu, félicitations. Nous avons mode dans le temps, sélection des continues. Puis votre dernière sauvegarde, non, marqué NP+, pour commencer un nouveau périple avec des défis et surprises inédits au rendez-vous. Vous conservez la totalité de votre équipement et de vos armes et la progression de votre personnage. Continue de partie. Nouvelle partie plus.
Mais sinon, ouais, pour en revenir vite fait, et après on regarde un peu ce qu'il y a dans le New Game Plus, et je vais peut-être décider si je le fais ou pas. Honnêtement, la fin est très médiocre, très nulle. Elle est inintéressante en fait. Elle est inintéressante. Après, est-ce que c'est le plus important dans le jeu? Non, le plus important, c'est honnêtement, c'est tout le long, le gameplay, tout ça, l'histoire au fil du temps, le développement des personnages et tout ça, c'était plus intéressant. Mais la fin est vraiment nulle. Le 1 était peut-être à la limite plus intéressante parce que le 1, à la limite, on connaissait pas les nanites. Et en fait, on commence à les découvrir, parce qu'au début, on sait pas en fait ce qui se passe. En gros, le 1, j'ai envie de dire, il se ressemble beaucoup plus à, par exemple, à Dead Space 1. Par rapport au personnage, c'est-à-dire qu'au début on sait pas du tout ce qui se passe, c'est pas d'où viennent les créatures, pourquoi les gens ont pété un câble et tout ça dans The Surge 1. Et en fait c'est pareil dans Dead Space. Dans Dead Space on apprend assez tard l'existence du marqueur là, qui réanime les corps et tout ça, et comment ça fonctionne en fait. Et on apprend ça beaucoup assez tard. Et The Surge 1 c'était un peu la même chose, le même système, et ça j'ai beaucoup aimé. Il y a un peu un côté un peu horreur en fait, où on essaye de découvrir ce qui se passe. Et on rencontre des gens qui sont sains d'esprit, qui parlent, mais est-ce qu'ils sont méchants, est-ce qu'ils sont fous, est-ce qu'ils sont cinglés en fait, on sait pas. Donc ça c'est intéressant. Dans le 2 du coup on connaissait déjà les nanites, donc quand à un moment le monde part en couille et que la moitié de Jericho est détruit et il y a des nanites partout et tout ça, bah déjà c'est moins surprenant parce qu'on connaissait déjà les nanites et tout ça. Et après, dès le début, en fait, apparemment, on est lié... Enfin, dès le début, on comprend très vite, en fait, qu'on est lié à Athéna. Du coup, on aurait nous-mêmes aussi des nanites en nous, ou alors on a été créé par elle et tout ça. Donc, dès le début, en fait, on se pose des questions directement. Donc, on sait un peu où va aller l'histoire. Donc, ça, c'est un peu bête. C'est moins surprenant. Mais du coup, la fin, ouais... ouais, en gros, on essaye de faire un avec les machines. Ouais, ça manque de quelque chose. Après, encore une fois, ça laisse une porte ouverte à un troisième jeu. Là, du coup, l'histoire, elle est très très ouverte, en fait. On peut faire ce qu'on veut, en gros. On peut recréer un Ellie, là, qui essaye d'utiliser la puissance des nanites ou des machines. Ou alors, on peut faire, je sais pas, genre Athéna qui devient folle au bout d'un moment et qui décide de détruire, en fait, l'humanité au final. Et puis, nous, on essaye de se retourner contre elle. Voilà, ça laisse la porte ouverte en fait à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la fin est vraiment pas satisfaisante du tout. Comme j'ai dit, ce Surge 1 était plus intéressant parce que le 1, on découvre toujours des nouveautés et vers la fin, on découvre que les nanites et tout ça existent et que après elles vont être genre larguées sur Terre en fait, enfin sur la planète entière quoi. Donc on en découvre beaucoup plus. Donc ouais. Après, est-ce que je conseille le jeu complètement? Complètement. What if machines were... Ah, merci, mais voilà. Mais complètement, The Surge 2 est vraiment cool. The Surge 2 est vraiment, vraiment cool. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. C'est normal qu'on ait les yeux comme ça? Je me rappelle plus. On avait les yeux comme ça? Oh, ça a changé! What? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Flight 221 to Jericho City is going to land in just a few minutes. We are currently cruising at an altitude of 35,000 feet with an airspeed of 1,200 miles per hour. If the weather cooperates, there should be an amazing view of the city as we descend. I'll be talking to you again before we land. Ah, c'est sympa, ils ont rajouté des trucs. Il y a sûrement pas que des monstres supplémentaires et tout ça, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bouger? Ouais. Du coup, il y aura pas... Parce que je pensais New Game Plus, genre... ouais, il y aura sûrement que des monstres et tout ça en plus. Mais en fait, non. Il y a autre chose. On peut pas aller dans le menu. Il y a un peu des cinématiques en plus. Oh. C'est quoi, ça? Ah, le jouet. Have a nice day. Ah bah elle est là. Awesome, thanks. I'll know who to ask next time I'm in trouble. Comment tu t'appelles? Oh, right, sorry. I'm Athena, Athena Gutenberg. I just can't stand flying alone. Not that I wouldn't be used to it by now. I'm going to meet my grandpa for the first time in years.
I'm really excited. It will be weird, though. I haven't seen him in forever. Not in real life, at least. Only on the news. Yeah, you too. Oh, and thanks for your help. What's going on? C'est bizarre parce qu'elle parle comme une vraie fille, en fait. It seems that we'll be encountering some turbulence. Please remain calm and stay seated. The situation will soon be resolved. Okay, please return to your seats immediately. We seem to have some... Genre ils ont pris possession de son corps en fait, c'est ça Les nanites. Intéressant. Maintenant je me demande si on aurait peut-être pas dû... zapper la cinématique du début. Ah, ça on l'avait vu en flashback, vite fait. Ok, on la sauve. Oh, il y a mes nanites qui augmentent. Ça tue. Emergency landing aborted. Please remain calm and follow the lines on the floor. Genre, est-ce que le jeu va changer? Est-ce que l'histoire du jeu va changer du coup? Ça, ça serait intéressant par contre, par exemple, de parce que imaginez que Athéna on la sauve et qu'elle devienne pas genre l'incarnation des nanites et tout ça. Du coup, il y aurait pas Athéna. Et ça serait quelqu'un d'autre, par exemple, ça serait sympa pour un New Game Plus. Ça serait vraiment sympa. Bon, après, je pense pas qu'ils vont le faire, mais c'est pour dire, parce que s'ils partent avec une autre cinématique en plus et des nouvelles du nouveau contenu pour un New Game Plus, pourquoi pas? Moi, je dis allez-y à fond, en fait. Moi, je ferais tellement ça, en fait. Medical report TS1. Our new patient has been in a semi-delirious state for weeks. The subject seems to be reliving traumatic memories of Flight 221. A girl. Some sort of anomaly. It's not over. But this can't be true. There was only one survivor in the crash. J'ai envie de faire du New Game Plus du coup. Ah, on est en super guerrier maintenant tout le temps, c'est bien. On est sa gardienne en fait. C'est assez sympa d'avoir aussi ça pour notre personnage. J'imagine qu'on va... Ouais, on peut pas aller dans le menu donc... J'imagine qu'on va devoir d'abord aller dans la première station. Donc on va aller jusqu'à... La première station médicale pour... Oh, là, La première station pour aller voir ce qu'on a récupéré. Oh mon dieu. Medical report number TS2. The patient you brought me some weeks ago is still in coma. Cannot determine if she's infected. Sirs, I am just level 1 doctor in a police detention facility. D'accord. But I do not recommend transport, not yet. Ah, non, 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 non. On aurait peut-être pas dû lui ouvrir la porte. Pas tant qu'on n'a pas le l'équipement. Bon, du coup, là, on va tracer. Tant qu'on n'a pas l'équipement, en fait, faudrait peut-être pas lui ouvrir la porte. On saura pour la prochaine fois. Oh, non, il m'a encore bloqué. Ok, très bien.
Ah oui, d'accord. Zapper un. On va sauver Warren après. Ah, on va devoir le combattre. On va devoir le combattre genre comme ça ou on peut aller directement à la salle? Est-ce que la salle... Ouais. Oh la vache. Putain, je me suis pas protégé, quel con aussi. On peut pas esquiver. Ouais, donc on pouvait vraiment pas esquiver en fait pour le premier combat. Ça c'est honnêtement c'est con qu'ils mettent pas l'esquive. Aïe 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 aïe. Pas mon équipement, je peux pas être un gardien. Ça nous donne un régène de garder les garder les âmes au sol, enfin les pièces détachées pardon. Très bien. C'est parti. Rig installation in progress. Mais ouais, c'est cool, j'aime bien. Ça c'est, faudrait que beaucoup plus de jeux fassent des surprises comme ça quand on finit les jeux. Yeah. Alors là on parle business là. Là on parle business. Alors fais voir un peu si on a un nouveau truc. Rien. Ça a reset le premier mais pas le deuxième. Du coup on va faire notre build sur le deuxième. Ok, on va pouvoir tester notre épée. Les implants. Non, ok. Le journal. Échappez-vous de la prison. Ça c'est bien. Inventaire, très bien. Donc on n'a pas eu l'équipement. J'aime bien ce truc. On n'a pas eu l'équipement du... Rig installation complete. Du boss de fin. On a eu juste son arme. Alors je me demande comment on a... Enfin, je suis pas con, hein. On n'a pas nom de 7. Étincelle. Je vois rien avec des ailes en fait. Un truc avec des ailes. Donc je sais pas. On l'a pas. Faut sûrement faire autre chose en plus pour l'avoir. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, honnêtement, c'est pas très grave. Oh non, les putes! Ils nous ont enlevé tous nos éléments qu'on avait.
Alors, bon, j'imagine qu'on est en New Game Plus, donc on va sûrement récupérer des choses de haut niveau, mais honnêtement, ils auraient pu ne pas le faire, parce que là... Ah, quoi que non. Ah non, c'est parce qu'on n'a pas débloqué, en fait. Enfin, le jeu nous débloque petit à petit les niveaux supérieurs. Oui, parce que là, on peut... On a le... On a les éléments pour... Pour les implants. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. You are now eligible to redeem your customized MG Exo-Rig Mark 12. Surgery is a thing of the past. The new MG is faster, more powerful, and sleeker than ever. Once you strap it on, it'll meld with your molecules in a flash. The metamorphosis is so seamless, you'll neither know nor care which functions are still performed by your own. Let MG take control of your nervous system and take back control of your life. C'est quand même un peu abusé, cette épée. C'est quand même un tout petit peu abusé. C'est stylé, hein, mais c'est pas mon style. C'est trop large. C'est trop large. Shit. Thank you. I'm not a criminal. Just an average Joe. I was beginning to lose hope. I'd love to repay you. Oh. On va faire ça. You. Qu'est-ce qui s'est passé à Créo? Au revoir. Come to the evac camp. Yash. Ah putain, le tracking de ouf. Mais ouais, on va s'arrêter là. Ouh, c'est qui ça devant? Qu'est-ce que t'as comme arme? Ah merde, il y en a un sur la gauche. Ok, à droite, pardon. Oh, j'ai pas les bons implants. J'ai pas les bons implants. Non, attends. Ça, c'est la merde, ça. Par les MK. Dégâts et énergie restaurée. Défense. Je crois qu'on avait mis la puissance du noyau aussi. Précharge maximale, oui, ça c'est le soin, ça c'est le régène. Vitesse d'attaque, bon, la vitesse d'attaque, dégâts d'énergie, non. Oh la vache, je me rappelle plus. Santé augmente le gain d'énergie, permet de gagner un peu de santé lorsque la batterie est remplie, ça. On avait aussi l'endurance. On va continuer à jouer grâce aux attaques réussies. Ouais, pourquoi pas. Ça fiche la barre de santé et stabilité. Il nous faut aussi... il nous faut... Il faut ça. Et après, il y avait un truc que, genre, quand une barre se remplit, on a de l'endurance. Je sais plus à quoi ressemble le symbole, honnêtement, ça. Tu es un ennemi, non. Non. Il y a ça aussi, ce pote. Ah oui, non, mais il faut l'activer à chaque fois. Lui transporter plus 5. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je me rappelle plus. Je l'ai mis.
santé restaurée. Ça, c'est le régène. Ça, c'est le gain et santé restaurée. Bon, on peut combattre avec ça, mais je me rappelle plus du reste. Bon, on va pas rester. Ah oui, il y avait ça aussi. Voilà, ça, la batterie. Et il reste encore une place. Impact plus 20%. Désolé, hein, je finis ça vite fait. Gagner un peu de santé. Très bien comme ça. Est-ce que c'est une nouvelle tenue ou pas? Non. Si. Casque de l'escouade Zola. Alors, augmente la régénération d'endurance. Lorsqu'une batterie est remplie, permet de gagner un peu d'endurance. Cool. Ok, d'accord, les trucs font extrêmement mal. Bah non, j'ai pas le... Le truc, l'implant qui me donne de l'endurance quand je remplis une batterie. C'est pas extrêmement grave. Hey, it's me. Yeah, the number gave it away. I heard they offered you the job. Sorry. I wanted... On va virer l'épée parce que je n'aime pas. Tell you at the right time. The right time? Open your eyes, Garcia. There's never gonna be a right time. Not anymore. It's not gonna change anything between... I know, that's not... Not what this is about, okay? Just... Take care, okay? This... thing is dangerous. I'm sorry. So am I. We'll talk, okay? Très bien. Bon, dans tous les cas, est-ce qu'on... On a lui à se faire. Vous me faites chier quand même. Putain. Ah oui, là on... Là on tape du lourd, hein. Là on tape du lourd. Niveau jeu. Je voudrais... On finit juste ça, on va aller voir le mec au-dessus, là. À la sortie. Puis après, on arrêtera là. Très bien. Du coup, non, on va où? Je me rappelle même plus. Ah oui, si, il faut remonter. Elle est tout droit là. Ah oui, il y avait ça aussi. Très bien.
On finit ouais ce lieu-là et après on arrêtera. Oh la vache, la lenteur. Très bien, très bien. D'accord. Faudrait peut-être, j'ai envie de dire, nouvelle arme. Enfin, après on a l'arme d'Elie, mais bon. Je suis en train de me dire qu'ils vont peut-être nous le faire combattre. Ça m'étonnerait quand même pas ici. Ouais. Par contre, ils vont nous faire combattre ça. La batterie nous a sauvé la vie. Très bien. La batterie nous a complètement sauvé la vie, on est mort, hein, normalement. Mais ouais, faut peut-être un truc qui tape un peu plus fort. Chef. Parti. Ouais non par contre attends. Désolé, hein, mais de... il me faut que je retrouve le con de... d'implant. C'est lorsque la batterie... on gagne une batterie, on récupère... Ça, régénération d'endurance augmente pas un court instant lorsque la batterie est remplie. Voilà. C'est rapide, hein. Waouh, j'ai bloqué tout sauf le bon endroit. Oh, ça va me gaver. Non, on va s'arrêter là. De toute façon, c'est là. C'était juste pour le jeu normal. Voilà, on va s'arrêter là. Ah putain, j'ai mes pièces détachées à récupérer. Ah putain, on y va. Tiens, on pourrait récupérer. Merde, c'est pas là. Je fais de la merde en plus. On pourrait farmer leur équipement. C'est par là. Non, je suis en train de me perdre, c'est bien.
fresh meat. C'est bien, je suis sorti pour rien. Je fais tout le tour pour rien. C'est cool. Ouais, comme je disais, hein, ce jeu. Ouais, je sais pas si on va faire le New Game Plus, hein, je sais pas. Ou alors même le DLC, je sais pas. Il a lance-grenade cette fois. Ah, oh, je le fais, je le remarque maintenant en fait. Qui arrête pas de me tirer dessus aussi. J'aime bien comme il nous, on lui ressemble, enfin on lui ressemblait à un moment. On avait le même équipement, on utilisait le drone, la même arme. Pas exactement la même arme, mais... Même type d'arme. In action, assigning drone to nearby police exo rig. Excuse me, can I get my toy, please? Oh, right. Sorry. I'm Athena. Can you hear me? Go to Fort Nixon. Find the plane. Bon, me voilà. Sais pas encore si on va faire du MG plus. Can you hear me? My name is Brother Truman. I went well done. The lift should work again. Faudrait qu'on ait des nouvelles armes et tout. Ou que je refasse mon équipement. Enfin j'en sais rien. Je sais pas si ça vaut le coup en fait de me relancer là-dedans et de vraiment tout refaire. Ah, on irait plus vite, mais... C'est fatigant. Il me faut une pause, peut-être que je me relancerai dans le jeu plus tard. De toute façon, c'est pas comme si on était pressé. Mais bon, après, si je dis ça, c'est dire que, en gros, on le fera jamais. Alors, je vais me réveiller d'un coma. Pourquoi m'aiderais-tu ? FIFA déjà, frère Truman. Et on a bien les yeux illuminés, hein. Ouais, on a toujours les yeux illuminés maintenant. Lost your way. Maybe I can help. Didn't strike first, huh? Ça va, Warren?
A plus, Warren. A plus tard, Warren. Très bien. On pourrait monter encore pas mal de niveaux. Voilà, classe sentinelle. Squad Zola du JCPD. Ça me dit quelque chose, ce casque, comme ça, en long, là. Bon, c'est pour de l'endurance, de toute façon, on s'en fout un peu. Mais ouais. Non, enfin, je pense pas. Ouais, on va pas faire New Game Plus. Ça m'intéresse pas. Ah, j'avais pas lu les chiffres, en fait. C'est pour passer en plus que 10. Là, c'est 11, 12 et 13. Ah, d'accord. Le premier jeu, en fait, la première fois qu'on fait le jeu, c'est de 1 à 10. Et la deuxième fois, c'est de 10 à 20, j'imagine. D'accord. On peut même passer l'arme ultime à 11, quoi. Genre le katana. Il redevient gris, par contre, c'est con. Ouais. C'est bête. Moche. Ah, c'est vraiment moche. Le fait qu'il redevienne gris. Enfin bref. Ah, très bien. Ah, les implants aussi. Ah, là on a du bon. Ah, très bien, on a les deux en bleu. Mais ouais, on va s'arrêter là. Je pense pas que je ferai du New Game Plus, ça m'intéresse pas vraiment. On va dire que The Surgeon était assez... enfin, était nouveau du coup. Donc là, ouais, ça m'intéressait bien. Même le DLC, je pense pas que je vais le faire honnêtement. À moins que plein de gens me demandent, mais bon. Pas une. non, honnêtement, j'ai pas envie. Mais ouais, non, le premier jeu était bien parce que voilà, nouveau et tout, donc je l'ai fait une fois, après deux fois en New Game Plus, après j'ai fait tous les DLC. J'ai fait même des runs pour des armes spéciales et tout à trouver. Enfin voilà, c'est oui, mais là le deuxième jeu non. Honnêtement non, ça me dit rien de tout refaire. Même si on ira plus vite et tout, non, ça me dit rien de tout refaire. Et même le DLC me dit rien non plus. Non, j'ai pas envie de me replonger dans le jeu. Mais ouais, non, honnêtement, c'était un bon run. C'était un très bon run. Je passe un bon moment, très bon jeu. Je le conseille. Je le conseille même maintenant, il y a déjà quelques années, je le conseille. Mais voilà, ce sera la dernière vidéo sur ce jeu. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite... merci encore pour avoir vu toutes les vidéos, hein, si vous êtes resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se reverra pour la prochaine fois. Je ne sais pas encore ce que je ferai en attendant Elden Ring. Mais ouais, on va voir. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao.